Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. La journée du mardi 2 août a été émaillée d'incidents à Kinshasa, précisément dans la commune de Limété. Les faits se sont déroulés devant l'hôpital Saint-Joseph de Limété en début d'après-midi, où un jeune motard nommé Ogi a été tué involontairement par un agent de l'ordre. D'après les oculaires de ces faits, ce dernier aurait intervenu que pour ramener le calme. À cet effet, voulant éclaircir la population kinoise en particulier, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, s'est exprimé. Nous étions rapprochés par la famille de M. Ogi Mpiana, un jeune homme de 26 ans, qui a été abattu hier par un militaire et que la police a eu à mettre la main sur des personnes qui sont aux arrêts aujourd'hui et mises à la disposition de la justice pour que la justice puisse faire son travail. Nous avons largement échangé avec le tuteur de M. Piana, décédé, son papa, Pio Kamagouane, et son avocat, Pio Kamagouane. Largement, il n'est pas question de parti politique à l'intérieur. D'abord, ils ont reconnu que ce monsieur qui est décédé ne fait pas partie du parti politique que vous faites allusion. Pour sa part, l'avocat de la victime est revenu dans ses propos pour expliquer la situation. Nous sommes venus rencontrer mon général au sujet du cas de décès qui a eu de l'assassinat qui a eu lieu à Limité. En fait, parce que nous ne voulons pas de récupération politique de la situation. C'est une situation qui s'est passée entre des civils d'abord pour commencer, qui sont des enfants de moto, communément appelés des Wewa. Ils ont connu des incidents qui ont donné lieu à ce qu'il y ait intervention des militaires. Et le militaire qui est intervenu a été, je ne sais pas, giflé par un des Wewa. Et dans ses états d'âme, il a tiré sur Ogi qui est décédé, comme vous le savez, parce que ses balles ont atteint deux personnes. Donc c'est lui qui transportait Ogi et Ogi. On est en train de chercher le fugitif et qu'il y a des prévenus qui sont interpellés, qui sont des militaires qui étaient avec ou qui ont tiré, parce que ceux qui sont arrêtés ne sont pas encore jugés. Ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire.